Bonjour à toutes et à tous, c'est Alius, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo, encore une fois, évidemment. Je ne m'arrête plus de sortir des vidéos, c'est la folie, voilà, c'est tout. Bientôt 3000 abonnés. N'hésitez pas, d'ailleurs, tous les nouveaux qui sont pas encore abonnés, n'hésitez pas, bombardez-moi cette barre d'abonnement. Écoutez, cette vidéo que je suis en train de faire, là, où je vous parle actuellement, est tournée 3 semaines après ce match. Voilà, oui, effectivement. Donc, en fait, comme vous le savez sans doute, la vidéo qui est sortie dimanche dernier, c'est-à-dire aujourd'hui même pour moi, c'est la vidéo contre Joe Cheval. N'hésitez pas à aller la voir, d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait. En fait, le truc, c'était que j'avais un match à 15h45. Je jouais direct après. J'avais un deuxième match, le match que vous allez voir maintenant. Donc, en fait, j'ai pas eu le temps de faire d'outro et j'ai pas eu le temps de faire d'intro. Donc, je joue contre un Australien. Son jeu, c'est Nick Kyrgios à 100%. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais c'est Nick Kyrgios tout le temps, dans tous les points. Il est Australien. Voilà, il est en tournée en France en ce moment. Il a 17 ans, je crois. Il est assimilé 15-2 en France, mais. Comme vous le savez sans doute, les assimilations, c'est généralement assez frauduleux. C'est-à-dire qu'il joue beaucoup mieux ou beaucoup moins bien. Enfin, vous verrez, je ne vais pas vous en dire plus. Je ne vais pas vous spoiler. À chaque fois, je donne des petits indices en début de vidéo pour savoir si je vais gagner ou perdre. Et à chaque fois, vous me dites, non, mais Alius, tu nous as vraiment tout gâché là, en fait. Donc écoutez, je ne vous en dis pas plus. À tout à l'heure. Vous pouvez parfaitement vous repérer de savoir de quel tournoi c'est en fonction de la miniature. Ok, la couleur de la miniature. C'est toujours la même, c'est toujours le même tournoi. En gros, c'est ça qu'il faut se dire. La rouge, c'est le même tournoi. La bleue, c'est le même tournoi. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et par exemple, ces deux vidéos-là, là, et bah, c'est pas le même tournoi. Voilà, c'est tout simple. Est-ce que c'est bon pour vous? Je vous laisse avec le petit match, profitez bien. J'espère que vous passerez un très bon moment. N'hésitez pas à vous abonner, c'est pas déjà fait. Du coup, je l'ai déjà dit, il faut que j'arrête de toujours forcer. Je vous laisse avec le match. Donc nous voilà pour ce troisième tour de ce tournoi de Pringy en jeune en 17-18 ans. Voilà, je faisais les deux catégories, c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs vidéos là, ces temps-ci. Donc voilà, d'ailleurs, pour ceux qui me demandaient, je leur redis en fin de vidéo, je crois que je l'ai dit en intro même. Donc voilà, vous pouvez repérer pour savoir quel tournoi est la suite en fonction de la miniature. Donc pour ce troisième tour, donc je joue contre un Australien qui était en tournée en France là. Donc ouais, j'ai mis les petits pays en bas à gauche, juste à côté des noms. Voilà, je trouve ça un petit peu plus stylé, on va dire. j'aime bien. Donc voilà, je pense que je vais mettre ça à chaque fois parce que ça m'est déjà arrivé de jouer contre des touristes entre guillemets qui ne sont pas d'ici, de France, on va dire. Et donc voilà, je trouve que ça fait assez classe, donc je vais laisser ça comme ça, assez original je pense. Donc voilà, cet Australien en tout cas, il est extrêmement bon à run, si tu passes par là. Il sert extrêmement fort comme vous pouvez le voir, on n'a pas effectivement calculé le kilométrage, mais franchement ça a atteint les 200. Je pense facile. Franchement, j'ai comparé entre des services à 200 sur YouTube et je cliquais en même temps pour savoir si c'était la même distance parcourue en si peu de temps contre Aaron, enfin pour la balle. Et puis oui, c'est la même chose quoi. En tout cas, franchement, quand vous regardez ça, bon, évidemment, c'est pas 200 à chaque balle, hein. Mais wow, ses effets, quand il met du kick et tout, wow, ça part, mais il m'a fait je sais pas combien d'hélices. Hein. Vous verrez, mais vraiment, il était mais surpuissant. Voilà, encore un de plus. Et il s'exter. Il n'y avait pas eu beaucoup d'échanges. Pas eu beaucoup d'échanges pendant ce match, il n'y a pas eu de rallye. Hein. Surtout moi qui essaie tout le temps de régler le point en 2-3 coups de raquette.
Et lui, en plus, qui monte à la volée souvent, service volé, qui met ses frappes aussi en coup droit, en revers. Ah, c'est fou, hein. C'était fou. La puissance de ce gars, c'était phénoménal. Bon, alors, il y avait beaucoup de vent. Beaucoup de vent, donc... franchement, c'était pas simple non plus. Encore un Anaïs, voilà. Il n'y avait pas beaucoup d'échanges. Hein. Premier set déjà qui est parti. 6-2 pour lui. Pour l'instant, je me fais rouler dessus. Encore. Ce match-là donc, a été tourné 15 minutes après la fin de mon match contre Joad. Donc le 5-6, la dernière vidéo pour vous. Donc j'étais... Bon, en fait, j'avais subi un échauffement, quoi, entre guillemets, contre Joad. 6-0, 6-0, c'était très rapide. Alani Kyrgios, là, sur ce coup-là. Vraiment, il faisait... Il était super sympa. En dehors du cours, pendant le cours. Et puis... Et ouais, non, franchement, il était vraiment sympa. Il se marrait souvent. En fait, il était là plus pour... voilà, pour tester le sol français. Et je sais que c'est pas très simple de se régler quand on joue pas chez soi. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal à jouer dans le sud de la France. Peut-être parce que, voilà, j'en sais rien. Hein. Peut-être parce qu'il y a une différence d'altitude, peut-être une différence d'humidité. Par contre, dans les Landes, par exemple, je tape beaucoup plus fort, c'est fou. Hein. Mais... C'est bizarre, c'est comme ça. Donc lui, il imagine même pas jouer en Australie et d'un seul coup jouer en France. Surtout que là-bas, chez lui, c'était l'hiver. C'était l'hiver en Australie et là, quand il arrive, paf, c'est l'été. 30 degrés. Bon, après, est-ce qu'il fait vraiment froid en Australie? Je ne sais pas. Tout ce que je sais pour l'instant, c'est que je me fais défoncer. 6-2-2-1, break. Très dur de le breaker, lui, donc... Il monte à la volée. Il fait tout ce qu'il peut. Hein. Bon, voilà, encore ma chance. Ceux qui ne connaissent pas, bienvenue dans mon monde. La chance, toujours la chance. J'ai des points. Et voilà, encore. Et la bande. C'est fou, hein. C'est fou. Mais dans tous mes matchs, là, j'en ai fait plein encore après. Après ce match-là. Et je vous avoue que ma chance est toujours présente. Ah, toujours ces services qui sont incroyablement fort, hein. Tous. Il n'a pas une seule baisse de rythme durant ce match au niveau du service. Ah là là. Ouais. Il fait la même taille que Paul Wegler à peu près. Et il y a une grosse différence, hein, Paul. J'imagine que tu vois cette vidéo. Tu sais ce qu'il te reste à faire avec ta taille. Tu vois ce que tu peux réaliser. Le vent qui s'en mêle un peu aussi. Ça souffle très fort. En plus, on est sur une colline là. À côté, on entend, il y a l'autoroute. Et vraiment, c'est... On est dans un... Le vent tourne beaucoup. Et il souffle très fort surtout. Et voilà, encore ma chance. Ah, je vous le dis, hein, moi, c'est que ça tout le temps. Je vais pas me plaindre, hein, mais bon. Ça vient des fois que la balle passe un petit peu plus au-dessus. Shit. Ice contact. Aaron faisait un peu son show aussi, j'ai l'impression. Hein. Un peu à la Nick Kyrgios, hein. Vraiment, il faisait vraiment penser à lui sur le moment. Et tous les coups qu'il faisait, il assurait en même temps, mais il était détendu, il était relax. Alors il était marqué 15-2 du coup sur papier, mais bon, c'est un classement assimilé, comme j'ai pu le mettre en début de vidéo. Classement assimilé, bah, comme vous pouvez le voir, hein, il fait beaucoup de fautes, certes, mais son service, voilà quoi. Ça joue pas 15-2 quoi, c'est un peu plus. J'ai joué contre des 15-1 après, vous verrez. Hein. 15-1 classique. Et puis ça joue moins bien que ça. Hein.
Il y a vraiment. Bah après, c'est pas les mêmes classements en France qu'en Australie ou qu'ailleurs, hein. Donc les classements simulés, c'est toujours compliqué de déterminer si c'est vrai ou faux. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Une balle de match pour Aaron. Premier échange du match, de plus de 3 coups et défaite malheureusement. Donc voilà, fin de ce match, défaite malheureusement. Écoutez, j'espère que ce match vous aura plu en tout cas. Voilà, tout simplement, c'était un petit match. Je ne regrette rien, surtout avec la petite défaite 6-0, 6-0 à 5-6 juste avant. Je ne regrette rien, comme vous avez pu le voir, il fait quand même quelques coups un petit peu spectaculaires. On dirait Kyrgios, je l'ai déjà dit, mais franchement... Je lui ai dit même, je lui ai dit, you are Nikkeus, you are. Donc franchement, que dire de plus, il jouait super bien, il avait un service. Ça fait 3 semaines que je l'avais pas joué, enfin que je l'ai pas revu, et franchement, toujours aussi marquant. Donc voilà, il envoie ses frappes aussi en coup droit, et puis il a une motivation pareille, la même motivation, enfin que Nikkeus, il est un peu plus motivé, il est un peu plus... comment dire, énergétique, voilà, c'est ce que je voulais dire. Il sautille partout, il est incroyable. Si tu vois cette vidéo, écoute, je te passe le bonjour de la France. J'espère que tu auras bien apprécié ton voyage en tout cas. Je sais même pas si tu as gagné le tournoi, je crois que tu as joué contre Joad. Je sais pas du tout combien ça a fait, je regarderai. Et puis écoutez, sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, liker, commenter, partager cette vidéo. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront, on accroche les 3000, on accroche. Et puis voilà, toujours viser plus, goler 10 000. Et puis voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. C'était Alius, bonne journée, bonne soirée comme vous voulez, à très vite. Ciao ciao.